Il y a maintenant un élément qui se produit, c'est la révolution industrielle. À partir du 15e siècle. Qu'est-ce qui se passe au 15e siècle? Il y a la découverte de l'écriture et de l'imprimerie par les Chinois. Il y a la découverte de plusieurs autres machines. Les gens commencent à se déplacer, on fabrique des bateaux. Les gens vont en Chine, puisque les gens ne restaient que dans leur continent. Quand les Européens vont en Chine, ils se rendent compte que les Chinois sont énormément développés. La Chine, c'était la première puissance au monde à ce moment. Parce que les Chinois, c'est un peuple non déiste. Eux, ils ne croient pas en Dieu. Donc, pendant qu'ils étaient dans leur truc là, que catholicisme, machin, la Bible, Dieu, mon... eux, ils créaient les choses. Quand ils arrivent en Chine, ils voient que la Chine est trop développée. Ils veulent donc casser le développement des Chinois. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la guerre de l'opium. Ils apportent la drogue aux Chinois et la cigarette pour que les Chinois boivent, fument, se droguent et arrêtent de croître sur le plan intellectuel. Et c'est ça qui s'est produit et ça a fonctionné. Ils ont fait deux guerres de l'opium à la Chine. La découverte de l'écriture et de l'imprimerie crée un phénomène incroyable en Allemagne qu'on appelle la révolution Gutenberg. Parce que comme on peut déjà écrire, on peut lire, les gens prennent la Bible. Ils lisent la Bible. Ils se rendent compte que dans la Bible, il n'est écrit dans aucun endroit que quand tu meurs, tu dois aller au purgatoire, tu dois donner tous tes biens. Ils comprennent que les catholiques les ont énormément truandés pendant des centaines d'années. Ils décident donc de se rebeller contre ça et de se protester. Ils créent leur religion qui s'appelle le protestantisme. Parce que quand vous adhérez aux religions, il faut comprendre l'histoire. D'où ça vient? Pourquoi on crée le protestantisme? C'est pour se protester contre les truands. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, jusqu'en 2018, en Allemagne, quand vous êtes catholique, il y a une taxe religieuse que vous payez et que les protestants ne payent pas. Parce qu'ils estiment que les catholiques, ce sont les truands. Ils doivent rembourser ça à vie. Quand vous allez vouloir aller en Allemagne, le conseil qu'on va vous donner, c'est que si on te demande ta religion, tu dis que tu es protestant. Si tu dis que tu es catholique, ton salaire, ça ne va pas arriver dans ton compte. Et que dès que ton salaire vient, on coupe la taxe religieuse. Constantin donc veut étendre la religion catholique au plus haut niveau. Il décide de délocaliser la capitale de Rome pour l'amener dans un territoire qui est proche de l'Ukraine et de la Russie. Les prêtres qui restent donc à Rome décident de lui faire un coup d'état. Il dit que bon, comme tu es parti là, c'est maintenant nous qui commandons. Lui étant donné que c'est lui qui a créé la religion, il dit que bon, ok, vous là, vous ne comprenez rien. Moi, je vais créer une religion qui est pure. Ce que vous avez fait là, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il crée la religion catholique orthodoxe, ça qu'on pratique en Russie, dans les pays qui sont proches de cette zone-là. Orthodoxe, ça veut dire le vrai, ça veut dire l'originel. Les autres décident d'appeler leur région la région catholique universelle. Il y a quelque chose que Poutine disait une fois, c'est que pour combattre une religion, il faut en créer une autre. Ceux qui sont donc dans la région persique, les Arabes, ils voient ce mouvement venir, ils comprennent que c'est un danger. Il faut qu'on anticipe sur eux avant qu'ils n'arrivent ici. C'est pour ça qu'ils créent donc la troisième religion sur le plan chronologique qui est l'islam, qui est une dérivée des deux précédentes, dans lesquelles ils intègrent des notions d'intelligence économique qui correspondent à leur environnement. La première notion qui correspond à cette intelligence économique-là, c'est le fait de dire que les musulmans ne consomment pas le porc. Qui sait pourquoi les musulmans ne consomment pas le porc? Qui connaît la raison? Oui, pour la raison, c'est laquelle? Qui connaît? Une saleté. Si on prend du point de vue purement économique, c'est parce que le porc, c'est une viande extrêmement consommée en Occident et ça peut se vendre un peu partout. Et il ne voulait pas avoir les produits qui viennent de l'extérieur. Autre réponse? Alors, de façon socialement correcte, la réponse qu'on donne, c'est que dans la Bible, il y a une histoire selon laquelle Dieu a lancé les démons sur les porcs. Il a enlevé les démons sur quelqu'un, il l'a envoyé sur les porcs. Ça, c'est la réponse socialement correcte. Mais la vraie réponse, c'est sur le plan économique. Parce que cette région a une particularité, c'est qu'ils n'ont pas l'eau. Il fait très chaud. On ne peut pas élever les porcs. Ce qui fait que tous les porcs qui viennent là-bas proviennent de l'Occident. Ça crée donc un déséquilibre sur le plan de la balance commerciale.
Donc le meilleur, puisqu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire qu'il commence à pleuvoir. Ce n'est pas, c'est un fait naturel, ils ne peuvent pas changer ça. Le meilleur moyen de combattre ça, c'est d'intégrer dans notre religion le fait qu'on ne consomme pas ça, parce que c'est impur. Sauf qu'aujourd'hui, les pays musulmans sont les pays qui exportent le plus les dérivés du porc au monde. Aujourd'hui. Ils ne consomment pas le porc, mais c'est eux qui transforment le plus le porc pour le vendre aux autres. Alors, dès qu'ils créent dans leur religion l'islam, c'est ainsi donc que chacun, en créant sa religion, intègre à l'intérieur l'intelligence économique. Quand dans le Nouveau Testament, on dit que Dieu, Jésus a multiplié le pain et les poissons, bon, pourquoi on ne dit pas qu'il a multiplié le macabo? Pourquoi on ne dit pas qu'il a multiplié la patate? Pourquoi c'est le pain? Lorsqu'on sait que 95% du pain qu'on consomme, ça va de farine de... On consomme, on cultive le blé où? Ça veut dire que chaque fois qu'on consomme une baguette de pain, on enrichit les agriculteurs européens. Donc quand on dit pain, on ne précise pas, ça crée la confusion. Sauf que nous, le pain que nous consommons, puisque le pain c'est l'aliment le plus consommé en Afrique, hein, le pain qui est fait à base de farine de blé. Là, il y a un champ de blé dans votre village ou à Yaoundé ou. Donc chaque fois qu'on consomme ce pain-là, on enrichit les agriculteurs européens. Et le pain-là, ça découle de quoi? Ça découle de la Bible. Corps du Christ. Le vin qu'on consomme dans les messes, ça vient d'où? C'est le vin à base de quoi? Vous avez vu un champ de raisins à Yaoundé ou à Bafoussam ou? J'ai un ami qui a commencé à se battre dans ça à Baganté, qui a réussi à cultiver le raisin, mais pour le moment, c'est encore trop acide. Donc, on peut pas encore, on est encore en train de trouver des formules pour pouvoir transformer ça en vin. Mais tout le vin qu'on a actuellement, ça vient d'ailleurs. Et que chaque fois qu'on consomme le vin, on enrichit les agriculteurs européens de raisin. Et toute l'industrie du vin. Est-ce que vous savez que le maïs qu'on utilise dans la bière au Cameroun est importé, le maïs? Parce que tout ce qu'il y a dans la bière est importé, le maïs, le houblon, le malt. Donc chaque fois qu'on consomme une bouteille de bière, on enrichit les agriculteurs européens de maïs, de houblon, de malt et de tous les autres ingrédients qui sont importés. Parce que les entreprises qui les font sont des entreprises européennes qui ont déjà des contrats avec leurs agriculteurs. Donc nous, on est en train de consommer en développant leur industrie. Basée sur la religion qui transmet le message subliminal. Je vais plus loin. Lorsqu'on va au deuil, l'habit qu'on porte à quelle couleur? Quand on va au mariage, l'habit qu'on porte à quelle couleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que le noir est associé à la douleur, à la difficulté, au malheur. Et que quand c'est le bonheur, c'est ce qui est blanc. Quand c'est le bonheur, c'est ce qui est lumineux. Quand on met les représentations de Jésus, et à quelle couleur? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'acteur qui a tourné le film La Passion du Christ, qui s'appelle Powell, qui est un Britannique, il pleure sur Facebook, sur YouTube tous les jours. Que pardon, n'utilisez plus mes photos dans vos maisons. Pardon, je suis un acteur. Moi, j'ai seulement fait un film pour gagner ma vie. Vous prenez mes photos, vous mettez dans vos maisons, vous priez. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mes amis. Mais il pleure tous les jours, on ne l'écoute même plus parce que les gens l'ont déjà adopté. Les gens ont déjà les statues de lui. Les gens se baladent avec lui sur les chapelets. Que c'est le Seigneur. Alors que c'est un acteur. Qui a vu Dieu? Qui a vu Jésus? Personne. Et comment on fait une représentation de quelqu'un que personne n'a vu? Jusqu'à donner une photo. Marie qui est sur les photos là, c'est qui? Donc c'est Marie. L'enfant qu'elle porte là, c'est qui? Sauf que sur toutes ces représentations, ce sont toujours les blancs. Mais il y a quelque chose de particulier sur les représentations. C'est que quand on fait une représentation de l'ange Gabriel qui tue le démon a quelle couleur? Vous pensez que c'est le hasard? Donc c'est un hasard. Donc le peintre s'est trompé, il ne savait plus, il dormait. Il a décidé que bon, celui qui est au sol, on met le noir, mais les autres sont blancs. Tout le monde est blanc, sauf les démons. C'est pour ça que ça a créé des expressions. Il a le noir cœur. L'Afrique est maudite, ça on le connaît déjà. Pourquoi tu as un cœur noir comme ça?
Ce sont des messages subliminaux qui passent dans notre esprit, qui se fixent dans notre inconscient et dans notre subconscient et qui dirigent notre attitude et notre comportement au quotidien. C'est pour ça qu'il y a toujours un esprit de condescendance vis-à-vis de celui qui est blanc. Il y a toujours un esprit de condescendance. C'est pour ça que le blanc est fort. Non, le blanc est fort, le blanc est fort. Ouh, l'avion, ouh, c'est grave. Comment le blanc fait un truc vol? Chaque fois que vous avez un blanc en face de vous, vous avez toute l'impression qu'il est supérieur à vous, même quand c'est un cancre. Et j'ai un ami avec qui je discutais, qui est un blanc, je dis que gars, pourquoi tu souffres en France comme ça? Viens ici, tu prends une soutane, tu seras riche, gars. Si c'est dur là-bas, viens ici, on t'achète une soutane. On te prend un studio quelque part là, même si tu vas faire un tabac. On voit un blanc avec la barbe, c'est fini. Tu as réussi ta vie. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que le fossile le plus ancien de l'humanité à ce jour, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Toumaï. Il a été découvert au Tchad. Il est vieux de 7 millions d'années. C'est le fossile le plus ancien de l'humanité à ce jour. L'archéologie démontre à ce jour que l'être humain le plus ancien, c'était un noir. Et je précise que l'archéologie, ce ne sont pas les noirs qui pratiquent cela. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, avec leur argent, ils viennent dans nos pays, ils mènent des études, ils prennent un fossile, ils démontrent eux-mêmes que l'être humain le plus ancien, c'était un noir. Il s'appelle Toumaï. Il était en Afrique subsaharienne, au Tchad. Sur le plan génétique, il est impossible à un noir de donner un blanc. C'est la raison pour laquelle l'État actuel l'a dit l'année passée qu'il faut arrêter avec les balivernes d'Adam et Ève. Tout le monde le sait désormais que ce sont des balivernes. Ils n'ont jamais existé. On ne peut pas avoir deux blancs qui sont dans un champ et puis donner une descendance de une descendance. Qu'est-ce que je dis? Des blancs qui donnent des noirs, c'est impossible sur le plan génétique. C'est plutôt ça que je devais dire précédemment. Un blanc ne peut pas donner un noir. Parce que le génotype blanc n'existe que depuis 40 000 ans. Parce que ce sont les noirs qui, en quittant le territoire qui est très chaud pour un territoire qui est plus froid, les processus d'adaptation climatique ont enlevé la mélanine de leur peau afin que leur climat, qui est très froid, puisse s'adapter à une peau qui est blanche. C'est démontré scientifiquement que c'est le noir qui donne le blanc, qui donne tous les autres phénotypes humains. Ça, c'est démontré sur le plan de la science. Ce n'est pas la philosophie. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que ces noirs-là pratiquaient quelle religion? Quelle est la religion ou la culture que les noirs qui étaient les plus anciens pratiquaient? Qui est la religion la plus pratiquée au monde? 5 milliards d'habitants la pratiquent au monde. C'est le culte des ancêtres. C'est la religion la plus pratiquée au monde par le plus grand nombre de personnes. 5 milliards de personnes. Ça se décline dans des pays comme le Japon, sur une forme qui s'appelle, qui connaît? Le shintoïsme. Les Japonais qui pratiquent le shintoïsme précisent dans leurs documents que leur religion, ça provient d'Afrique. Parce qu'ils font exactement la même chose qu'on fait ici dans les villages à l'ouest. Ça veut dire qu'ils ont une maison où ils mettent les crânes de leurs ancêtres, ils viennent donner des dons. Et où chaque mois, une fois par an, ils vont sur un mont rendre hommage à leurs ancêtres. C'est la religion qu'on pratique en Inde. C'est la religion qu'on pratique en Chine, le culte des ancêtres. Sauf que ce qui s'est passé chez nous, c'est quoi? C'est qu'on a maintenant utilisé le fait religieux pour nous déculturer. Parce que vous devez savoir que avant que les missionnaires arrivaient avant les soldats, ça a toujours été comme ça. Le missionnaire vient, quelle est sa mission? C'est d'installer le logiciel. Pour mieux installer le logiciel, il faut qu'on te fasse comprendre que ce que tu fais, c'est le diable. C'est d'où est né le concept de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Quand on voit la définition sur le plan étymologique, c'est que c'est quelqu'un qui pactise avec le diable. Le diable n'existe que dans une religion où il y a Dieu. Le diable n'existe pas dans une religion où il n'y a pas Dieu. Si le diable existe, c'est parce qu'il y a Dieu.
Sauf que nos ancêtres ne croyaient pas en Dieu. Ce qui fait que le diable ne peut pas exister dans une religion où il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait qu'on prenne nos cultures et qu'on nous fasse comprendre que c'est le diable pour qu'on adopte désormais la religion des autres. Pourquoi adopter la religion des autres? Parce que ça permet d'avoir une attitude et un comportement de condescendance et surtout d'abandon de soi. Parce que quand on te dit que les biens terrestres, quand on te dit que le diamant c'est quoi? L'or c'est quoi? Quand on te dit qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'aller dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on veut passer comme message aux gens qui n'ont pas un fort niveau intellectuel ou du moins sur le plan éducatif? C'est une manière de dire que la pauvreté, c'est une valeur, c'est une vertu. C'est une manière de dire que avoir trop de richesses, ce n'est pas bon. Ça réduit les chances d'aller au paradis. C'est une manière de dire que lorsque les soldats vont venir vous tuer pour prendre vos richesses, ce sont les diables. Il faut les laisser faire. Dieu va vous récompenser au ciel. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Si les Blancs refusent de vivre avec nous ici sur Terre, vous voulez aller en Europe, on vous demande le visa. On refuse le visa à énormément de personnes. Vous voulez dire que, ok, je ne prends pas votre visa, moi je vais prendre la mer. On vous abat en route. On esclavagise les gens en Libye. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vivre avec nous ici, là, sur la Terre. Ils refusent. Ils veulent que nous, on vive chez nous dans notre misère, comme ils nous considèrent. Mais pour aller au ciel, où on sera avec Dieu, où c'est plus beau que la terre, pour la vie éternelle, il nous l'offre gratuitement. Il nous prêche la bonne nouvelle gratuitement. On nous distribue les Bibles gratuitement pour qu'on aille vivre où c'est mieux que la terre, où il refuse de vivre avec nous. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Parce que vraiment, si c'était sincère, c'est que la Bible devait coûter même 20 000 euros. Parce qu'on devait empêcher que les gens aient des connaissances pour aller là où c'est mieux que sur la terre, où ils refusent de vivre avec nous. Et je vous ai expliqué tout à l'heure le gratuit. Quand on vous donne quelque chose gratuitement, c'est parce que c'est vous le produit. Quand on dit par exemple que si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais ça dans ton entreprise, tu disparais. Non, le concurrent te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Tu disparais, c'est fini. Il a gagné. C'est une manière de dire que n'essaye pas de prendre de grands risques. Reste là, priez l'Éternel. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs villages au Cameroun. La particularité des villages, c'est qu'il y a toujours une grande église. C'est la particularité de presque tous les villages. Vous arrivez dans un village, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a toujours une grande église. Les mamans passent toute la semaine au champ. Elles cultivent, elles vendent au marché. Elles économisent pour aller donner à l'église. On augmente l'église. On agrandit l'église. Entre-temps, les gens n'ont pas les besoins de base. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'école. Les enfants ne mangent pas bien. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon cinquième livre dont le titre c'est « Les religions importées comme outil de développement de l'Afrique ». Et là, je propose une solution qui est toute simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va motiver les gens à aller dans les églises. Il faut que chacun soit dans une église, obligatoirement. Dans toutes les églises, l'État va affréter un comptable et un fiscaliste dans toutes les églises. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de faire la messe, pendant la quête, c'est un comptable de l'État qui prend l'argent. Avec le fiscaliste qui fait les statistiques. À la fin du mois, on dit peut-être qu'on a récolté 2 millions. On prend peut-être 200 000, 150 000. On donne à l'église que bon, vous payez les factures d'eau, de lumière, ou je ne sais pas, vous payez les déplacements. Pas de voiture, parce que Dieu, Jésus était pauvre. Jésus, c'était un charpentier. Je ne peux pas être riche alors que le Seigneur est humble et ne veut pas la richesse. Donc, tu vas prendre le taxi. Et le reste d'argent, on construit les écoles, on construit les hôpitaux. Ça sera une sorte de fiscalité aussi, mais qui est dans ce sens-là et qui permet de réaliser des projets sociaux qui sont plus utiles pour la population. Et plus il y aura d'argent, plus on construit d'autres églises. Parce qu'il faut qu'il y ait plus d'argent. Parce que plus il y a l'argent, plus on pourra même faire des ponts. On pourra construire des avions, des aéroports, des trucs comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre.
Mais je ne vais pas terminer ici en disant que chacun de nous a un patrimoine qui provient d'un trépied. Et je l'ai dit déjà depuis hier. Ça veut dire qu'on a 50% qui provient de la génétique. On a 25% qui provient de l'environnement dans lequel on a grandi. Et on a 25% qui provient des connaissances qu'on a eu à acquérir. Ce qui fait que le cerveau de chacun de nous est unique. Le cerveau de chacun de nous a une vision particulière de la vie. Le cerveau de chacun de nous a une expérience différente de la vie. Chacun de nous a une expérience spirituelle différente. Donc, il serait insensé de penser que tous nous devrons avoir le même référentiel sur le plan de la spiritualité. Hier, j'ai parlé des référentiels en vous posant combien font 1 plus 1. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de réponse tant qu'il n'y a pas de référentiel. Ça veut dire que si dans votre référentiel, vous trouvez que la spiritualité que vous appliquez, parce qu'il faut faire la différence entre la spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. Si vous trouvez que la spiritualité que vous appliquez ou la religion que vous appliquez vous permet d'atteindre vos objectifs, il faut le faire. Continuez de le faire, ne l'arrêtez pas. Et n'acceptez que personne ne vous dise de l'arrêter. Si en fonction du patrimoine génétique que vous avez, de l'environnement dans lequel vous avez grandi, les connaissances que vous avez acquises et l'expérience spirituelle que vous avez déjà eue, qui dit expérience dit pratique, et que ça vous a apporté des solutions et ça vous a permis de progresser et ça vous permet d'atteindre vos objectifs, si c'est en étant catholique, protestant ou je ne sais pas quoi que vous réussissez à le faire, continuez de le faire et ne permettez à personne de vous empêcher de continuer de le faire. Parce qu'il ne faut pas faire de paraphrase avec ce que je dis. Ce n'est pas possible que tout le monde ait le même référentiel sur le plan spirituel parce qu'on ne vient pas des mêmes environnements. On n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même expérience du divin. Moi, je peux décider d'être athée, vous décidez d'être catholique et ça n'empêche pas que vous réussissez dans ce que vous faites. Le plus important, c'est d'identifier les principes de manipulation qui parfois sont incrustés dans certaines religions pour ne pas en être victime. C'est ça que je dénonce, ce n'est pas l'idéologie en elle-même qui au fond n'est pas mauvaise. Parce qu'il ne faut pas paraphraser. Parce qu'au fond, il n'y a aucune religion qui dit qu'il faut tuer les gens. Il n'y a aucune religion qui dit qu'il faut faire du mal. Il n'y a aucune religion qui dit qu'il faut escroquer les gens. Ou qu'il faut espionner, ou je ne sais pas trop quoi dire. Toutes les religions prônent le bien. Toutes les religions prônent l'exemplarité. Toutes les religions prônent la performance, prônent les réalisations, prônent le bien-être et le fait d'être heureux. Maintenant, il y a des déviances. Il y a des personnes qui se sont incrustées et qui ont décidé de modifier les idéologies pour que ça leur procure des avantages personnels. Et c'est ça que vous devez éviter. C'est ça que vous devez travestir pour que ça ne vous atteigne pas. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez faire fi de ça. Sinon, vous ne pourriez pas réussir. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez des concurrents qui ne croient pas en ça. Vous êtes sur un marché, vous êtes avec des Chinois qui sont non-déistes, qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de démarche-là avec un concurrent qui ne va pas réfléchir comme ça. Vous ne pouvez pas être en industrie et dire que non, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas espionner, alors que les autres espionnent tous les jours, les autres mentent tous les jours, même sur les boîtes de leurs produits. Vous ne pouvez pas les concurrencer si vous réfléchissez avec le référentiel de votre religion. Parce qu'eux, ils n'ont pas le même référentiel et ils vont vous abattre. Soit vous choisissez de mener une vie qui ne correspond pas au fait d'être confronté à faire ce genre de choses. Donc vous laissez l'entrepreneuriat. Vous décidez peut-être d'être salarié ou de mener une vie toute simple. Ou peut-être vous êtes avocat ou je ne sais pas trop. Avocat, il mente trop. Vous êtes peut-être médecin. Bon, même médecin, il mente beaucoup. Bref, vous choisissez quelque chose qui correspond à l'idéologie et à ce que vous voulez prôner comme valeur de vie. Mais si vous estimez que vous voulez vous lancer dans le référentiel de l'entrepreneuriat, dans le référentiel de l'industrie, dans le référentiel du développement, par le fait que vous mettez sur pied votre projet, il faut faire fi de ça. Ou alors, si vous l'utilisez, ça doit être à votre avantage. Si ça ne correspond pas à votre avantage, bannissez ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, le message que je veux vous passer ici, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a la fête de Noël, il faudrait que vous vendiez les poulets. Il faudrait que pendant qu'on fête Noël là, les gens achètent vos poulets. Pendant qu'on fête Noël là, les gens achètent vos poupées que vous avez fabriquées. C'est vous qui gagnez de l'argent pendant qu'ils fêtent. Même si vous fêtez avec eux, mais on fête, on mange tous ensemble mon poulet. Je ne sais pas si vous voyez la démarche. Si on dit que la fête de Pâques, vous produisez le chocolat. C'est votre chocolat qu'on consomme le jour là. Quand on dit que la bûche de Noël, vous avez votre restaurant, ou je ne sais pas trop quoi, votre boulangerie. Vous faites les bûches de Noël.
Vous vendez vos bûches de Noël. En fait, on est à l'église ensemble, on fête, mais c'est notre bûche de Noël qu'on mange. On dit qu'il y a telle fête, on mange notre macabre qui sort de notre champ. Oui, en fait, on n'y a pas de problème. On n'a pas de problème à la fête. Vraiment. En fait, on boit notre vin qu'on a fabriqué. On dit qu'on se retrouve pour la Pentecôte ou pour je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de problème. On prend notre maïs. C'est ça qu'on mange. Ça veut dire qu'on le fait, mais les avantages sur le plan économique, c'est nous qui en bénéficions. Parce que pour le moment, c'est eux qui en bénéficient totalement. Est-ce que vous savez que par exemple pour l'église catholique, dans tous les pays du monde entier, il y a un pourcentage des quêtes qui est prélevé et qui est envoyé au Vatican par mois? Ça, vous le saviez? Il est dans toutes les églises catholiques du monde entier. L'argent qu'on donne à la quête là, il y a un pourcentage qui est prélevé et qui est envoyé au Vatican, qui est déjà l'état le plus riche au monde. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent? On prend de l'argent qu'on n'a pas déjà suffisamment pour réaliser ce qu'on n'a pas, pour donner à ceux qui ont tout. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on corrige. Si on dit qu'on va aller à un pèlerinage, il faut qu'on aille au pèlerinage à Bétoua ou au Mont Cameroun. Parce que ça permet de développer l'activité économique là-bas. Vous ne pouvez pas aller au pèlerinage en Israël. Vous partez en Israël au pèlerinage comment? Donc, vous achetez les billets d'avion, c'est eux qui gagnent de l'argent. Vous arrivez dans leur pays, vous allez dans leurs hôtels, c'est eux qui gagnent de l'argent. Vous mangez ce qu'ils ont là-bas, c'est eux qui gagnent. Nous, on ne gagne rien de votre spiritualité. C'est en train de nous appauvrir. Parce que chaque fois que vous achetez des produits importés, comme on va le voir avec le patriotisme tout à l'heure, ça diminue la balance commerciale de notre pays. Ça fait qu'on est endetté en devises. C'est pour ça qu'en Europe, par exemple, dans tous les autres pays, ils ont tropicalisé la religion en fonction de ce qu'ils ont dans leur pays. Par exemple, que le pain qu'on consomme, par exemple, dans les églises catholiques ou je ne sais pas quelle église au Canada, mais c'est ce qu'ils ont fabriqué dans leurs usines eux-mêmes. Ce n'est pas un pain qui vient de France. Ce n'est pas un pain qui vient d'Angleterre. Quand on va aux États-Unis, tu vas en Californie, dans une église, le pain qu'on mange à l'église là où le pain qui est vendu dans la rue, mais c'est le pain qu'ils fabriquent eux-mêmes, qui provient de leur matière première. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de fêter et manger du pain, c'est eux qui s'enrichissent eux-mêmes. Chez nous, c'est le contraire. Et c'est ça qu'il faut qu'on corrige, parce que c'est de l'intelligence économique. Ils l'ont fait expressément pour que ça extravertisse nos connaissances et surtout nos dépenses. Le deuxième exemple en intelligence économique, c'est RT. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Noumbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunité d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres. Et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer à ce groupe, le Claudel Noumbissier Business Group. Donc si vous souhaitez participer au Claudel Noumbissier Business Group dans lequel nous allons faire donc une tontine structurelle, dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire, je souhaite participer au Claudel Noumbissier Business Group ou alors je souhaite rejoindre le Claudel Noumbissier Business Group. Le Claudel Noumbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 euros par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Noumbissier Business Group et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc dans le groupe, nous avons une chronique vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé.
On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages. Les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient les actualités, les gens qui disent « aidez-moi », les gens qui disent « non, non, non ». C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, donc, de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis, le samedi et le dimanche, c'est le networking. Et ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe. Base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est. Et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. Et surtout, pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois. Et puis, quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer. Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus. Et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valet aime souvent le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business, même si vous êtes élève ou étudiant, pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur, vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Noumissier Business Group, comme je l'ai dit, l'accès, c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 euros par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière. Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ces autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations, comme la formation sur la tontine. Elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps, dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine, avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Noumissier Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Noumissier Business Group. Et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Carrefour Isaac Kamossier de la Startup Academy, ici à NRC qui est situé à la Nouvelle Route Bastos.
en face de Bethesda, vous allez voir le grand totem NSC au troisième étage. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Douala, qui est situé à Ancien Number One. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Tchang. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox, ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Nubis Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre sur pied une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur pied des projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Pour un autre direct, c'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien. NRC, le monde à notre portée.